Salut les Tokuvors, on se retrouve avec les nouveaux numéros du Megazord d'Altaïa, les volumes 17, 18 et 19, où on va enfin terminer la tête du mastodonte et commencer celle du Triceratops. Alors, on s'équipe des pièces des numéros précédents, la tête du mastodonte étant donné qu'on va la terminer. Donc pour ce numéro 17, c'est très simple, on va simplement faire les cornes, les défenses plutôt du mastodonte. C'est très simple, il suffit de clipser les pièces ensemble et de mettre les petites pointes. Alors les petites pointes, soyons honnêtes, ne tiennent pas. Il faut un point de colle, c'est obligatoire, sinon ça tiendra jamais. Donc munissez-vous de super glue ou de colle extra forte, sinon ça tiendra jamais, voilà. On fait pareil avec la deuxième et on n'oublie pas le petit point de colle pour que tout tienne bien. Et on conservera aussi le petit bouton pour plus tard. Le numéro 18, ben là encore ça va être extrêmement simple et rapide. On a la batterie et le derrière des oreilles. Et c'est ça qui va nous permettre de terminer enfin la tête. Donc on met la petite mousse protectrice autour de la batterie comme d'habitude, comme on l'a déjà fait avec les numéros précédents, et on l'installe comme on l'a fait encore une fois avec les numéros précédents. On a l'habitude maintenant, hein, voilà, donc il ne devrait plus y avoir de soucis ou savoir connecter les choses. Hein. Et de toute façon, je rappelle que le plan est là, il est très détaillé, il n'y a pas de soucis. Ensuite, on va venir fixer la partie précédente qu'on avait faite, hein, avec les précédents numéros, à la tête du mastodonte toujours. Pareil, on suit le plan, c'est assez simple. Et on vient fixer le tout avec des vis. Donc, on met aussi les défenses du mastodonte, hein, ce qui va nous faire un gigantesque bébé. Hein, je suis impressionné par la taille de cette tête-là, hein, qui est clairement la tête la plus grosse des 5 Zords. Hein. Donc voilà, c'est assez impressionnant à voir et c'est sublime. Donc on va venir fixer tout ça avec le derrière des oreilles. Plus que quelques vis et on en aura enfin fini. Ce petit câble, gardez-le, c'est pour la tête du Triceratops qu'on va faire dans quelques secondes. Et voilà, enfin, la tête du mastodonte qui est terminée. Je le répète, elle est sublimissime. C'est vraiment ma tête préférée pour l'instant de tous les ordres qu'on a construits. Donc, maintenant le volume 19, on va enfin passer à un nouveau Zord, le Triceratops, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, une moitié de tête pour ce volume 19. Donc, on commence tranquillou. On n'oublie pas le petit câble qu'on a réservé lors du numéro 18, qui va nous servir immédiatement, hein, pour cette demi-tête de Triceratops.
On fait attention à ne pas coincer le câble entre deux pièces, ce qui pourrait l'endommager. Donc le plan est légèrement flou de ce côté-là, mais ne le coincez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sinon, il pourrait arriver des pépins, on sait jamais. Et donc voilà, on a une petite, toute petite moitié de tête de Triceratops qu'on vient de commencer. Donc, elle va être grosse aussi, je pense qu'elle va être très très belle aussi, mais évidemment, pour la troisième fois, je le répète encore, la tête du mastodonte est sublimissime. On l'a enfin fini. Donc voilà. On se retrouve très rapidement pour les prochains numéros, et on continuera bien évidemment la tête du Triceratops. A bientôt, ciao! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.